それはハルカ土星で開発された。From Saturn. 64ビット級ゲームマシン、セガサターン、地球新発売。セガ。それは遥か土星で開発された。64ビット級ゲームマシン、セガサターン、地球新発売。セガ。Salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo Café Collector. Aujourd'hui.Un café collector très spécial qui n'est pas pour moi en plus, pour l'ami Imago, peut-être, hein, l'ami pour Imago, parce que celle-là le chat un peu jaloux. Et bah aujourd'hui je vais vous présenter la, hop, la Sega Saturn, premier modèle, donc la modèle grise. Par contre il y a deux packaging, hein, comme vous l'avez peut-être dit dans la petite vidéo. La packaging de 94, celle-là je crois qu'elle doit être sortie dans les courants de 95 avant que Shiro arrive, la Shiro qui est la modèle blanche, hein, donc la V2, on peut l'appeler aussi la V2 de la Saturn, que là c'est le même format de boîte, donc même format de boîte en petite, parce que les premiers modèles de la Saturn la boîte est un peu plus grande. Voilà, quoi que dire, il y a beaucoup de choses. Alors par contre, il est livré avec une manette, mais il n'y a pas qu'une manette apparemment dans ce box, vous allez découvrir tous ensemble. Donc, unboxing, c'est parti. Donc, les inscriptions, donc de la console bien sûr. Alors je crois qu'elle n'est pas totalement complète, à ce que je vérifie. Donc, je dis voilà, donc, deux manettes, une. Et la seconde, voilà. Donc la personne a mis deux manettes. Je fais un dédicace aux amis de Gamecash. Donc la Péritel, l'alimentation japonaise bien sûr, et le pâté sur voilà, le petit pâté au petit menu. C'est une câble RCA, donc câble vidéo et câble son. Donc câble son left, mais pas donc c'est du mono en fait, voilà, c'est pas du stéréo, c'est du mono, donc le câble mono, donc voilà, ça c'est bon. Et nous allons ensuite passer à la babette, la console. Alors la console, j'ai remis une pile, voilà, donc si t'entends ça et ma go, bah voilà quoi, je t'ai mis une petite pile de CR2032, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur la Saturn, comme j'ai déjà dit à telle personne comme Barjo et bien d'autres fans Sega, donc la Saturn a pas mal de bons titres, hein. Il y a pas mal de bons titres au Japon, pas mal de super titres, hein. Plus adaptés de l'arcade, comme la PlayStation bien sûr. Qu'est-ce que nous avons? On avait les mêmes sortes de manuels. Donc déjà, je vais vous montrer déjà la carte, le register card. Voilà. On a le même papier que j'avais montré dans la vidéo, si vous vous rappelez de la vidéo de la Saturn Nights into Dreams, donc la Sega Saturn Shiro. La Shiro, voilà. Donc le même format de truc, donc les trucs d'instruction pour faire attention avec la console bien sûr, ne pas s'amuser avec, ne pas la balancer, ne pas manger avec, ou autre quoi. Bien sûr. Ça c'est bon. Et bien sûr, la manuelle de la console. The manuel des consoles. Alors, par contre, le manuel, si je suis pas de conneries. Il est en japonais, bien sûr. Le manuel de la console. On va peut-être feuilleter un petit coup. Un petit feuilletage. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, les affaires.
Hop, on va feuilleter par exemple. Comment servir 2 minutes, hein, le menu de la console. Voilà. Vraiment du très bon truc, comme on dit. Du très bon truc. Ouais, ça tourne. Très 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 bon truc. Donc je refais une petite dédicace à la boutique Gamecash de Nancy. Voilà. Une petite unboxing très sympa de console collector. Pour ça que je le cite, c'est un collector pour moi. Bientôt, il y aura peut-être de la PlayStation, il y aura peut-être d'autres consoles. De consoles. Voilà quoi. Il y a une Dreamcast aussi qui est en unboxing. Qui, je crois qu'il peut être posté entre temps, avec le temps, le retard, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire et donc voilà quoi. Et donc pour les Saturn, voilà, pourquoi je dis la Sega Saturn, c'est une console magnifique comparé à la PlayStation. Bon, la PlayStation a quand même des très bons jeux type arcade. Déjà regardez par exemple, voilà, Magical Drop 3 par exemple, Puzzle Bubble 2X. Et il y a aussi quand même des très bons titres. Bon, après voilà quoi, je peux le préciser. Je l'ai même fait sur PlayStation, mais moi je préfère largement la Saturn, ce Gokujo Parodius de l'Xbox. Donc avec Fantastic Journey et Parodius Da, voilà. Et surtout exclusivité Sega. Bon, il y a plein de trucs d'exclusivité Sega, hein, je peux le dire, il y a Virtua Fighter, mais c'est surtout aussi Panzer Dragoon, quoi. Panzer Dragoon, le premier du nom. Et bien sûr, le Zwei. Le 2 qui est magnifique, Zwei, qui est, je crois que pour moi c'est peut-être l'un des Panzer Dragoon favoris pour moi. J'ai joué, j'ai fait 2-3 niveaux et je trouve vraiment que c'est mon Panzer Dragoon favori. Ouais. Mais bon voilà, très bon que la Saturn en plus, c'est, voilà, c'est une très belle console. C'est pour ça que j'ai dit tiens, pourquoi pas l'offrir à Imago. Voilà, pas bien, mais fort, calme-toi, voilà. Il a déjà la Saturn et en pâle, et là, voilà, je lui ai dit tiens, il va peut-être avoir une japonaise. Peut-être à moi que je vais te faire chier, parce que cette Saturn, comparée à la... attendez deux secondes, je vais la chercher. À la petite Shiro, voilà, la petite Sega Saturn de la Shiro. À quelques difficultés, hein, la V2, comme je vous dis, elle a des difficultés quand même. Par exemple là, voilà, la petite Saturn, voilà, la V2, voilà, que vous avez vu en vidéo sur la Vega Collector avec Imal. Voilà. Mais la Saturn V1, donc celle-ci, a des jeux qui fonctionnent très bien, que la V2 ne peut pas fonctionner, comme par exemple le Outrun Sega Ages ne peut pas lire sur la V2. Je ne sais pas comment et pourquoi, cette information est venue par SNK et Benzaï pour les 25 ans de la Dreamcast, bien sûr, dans Hardwookers. Donc ils ont précisé qu'apparemment la V2 de la Saturn aurait des soucis, même je ne sais pas si ça vient vraiment du lecteur CD ou autre. Mais bon voilà quoi. Mais bon voilà quoi, c'est une très belle console la Saturn, c'est une très belle console, franchement. Que dire de plus, voilà, c'est une très bonne console. Très belle console de chez Sega, bien sûr. Hein. Je vous laisse comme ça, regardez. Voilà le packaging par exemple. Le packaging c'est un peu la même comme la Saturn de V2 quoi, mais la V2 est un peu différente, moi je trouve. Elle est un peu différente avec son packaging. Par contre c'est vrai que la V2 elle est différente, la boîte, plus voilà, moi le Night j'ai un fou avec. Mais bon voilà quoi. Franchement, cette Saturn va être satisfait pour lui. Et il va peut-être se faire des bons jeux avec. Bon, les Panzer Dragoon, je les garde. J'aurais bien aimé offrir un Panzer Dragoon à Imago. Les Panzer Dragoon, je les garde. Voilà quoi. Bon, allez, sur ce, les amis, je vous laisse. C'était Flo du Café Gaming. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine. Et ciao. Bye. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.